Bonjour tout le monde! Le lièvre et la tortue, est-ce que ça vous parle? Ben oui, clairement, les exemples ne manquent jamais ici à Namur, puisque la limitation est à 20 km/h et que de toute manière c'est une ville très ramassée. Je vais souvent plus vite que les automobiles. Indépendamment de ce débat-là, de toute manière, le but, hein, de quand on se déplace, c'est pas la vitesse. Le but, c'est la sécurité. C'est ça qu'on doit tous avoir en tête en priorité. Et certainement pas la vitesse. D'autant plus donc, hein, et clairement, je vais le montrer ici, hein, même si je suis bien conscient qu'un exemple n'est pas une généralité, mais justement, les statistiques montrent bien, au vu de la vitesse moyenne, que ça ne sert à rien de se dépasser, et surtout si c'est pour faire des infractions. Oui, c'est un mec 20 à l'heure ici, monsieur. Mais c'est pas grave. Vite, 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 ça vire des pompes. Ah ouais, toujours se dépêcher, toujours faire des excès de vitesse au détriment de la sécurité d'autrui et entre autres des usagers vulnérables comme les piétons ou les cyclistes ou d'autres usagers aussi. C'est stupide, ça ne sert à rien du tout, hormis créer des accidents. Ce qui, du coup, forcément, n'arrange absolument pas la circulation routière. Donc je vois même pas l'intérêt. Regardez, voilà ici, je le rejoins. Eh ben, pour me mettre devant lui, ben oui, puisqu'il y a un sas vélo. C'est pas compliqué, hein. Le lièvre et la tortue. Voilà. C'est qui gagne dans la fable? Et au final, de toute manière, hein, ici, tout le monde est gagnant. À partir du moment où on a une conduite souple, sécuritaire, hein, eh ben, tout le monde est gagnant. Parce que moins d'accidents, moins de charges sur les hôpitaux, du coup, hein, entre autres, et si c'est juste ne fût-ce que pour voir l'aspect financier, bah oui, forcément aussi, bah ça joue aussi. Hein. Mais moi je ne vois même pas que ça, hein, c'est juste une question de sécurité. Alors, autre chose au niveau de la sécurité, observez bien le camion là. Je me méfie, hein, parce que je sens venir le truc. Et regardez, je vois le conducteur dans le rétroviseur, ce qui veut dire que lui me voit aussi, je ne suis absolument pas dans son angle mort. Et regardez ça. Choisir votre bande, hein, monsieur, hein. Bah ben ouais, ça m'énerve. Pas de clignotant, rien. Bah ouais, il change de bande, au calme, tranquille, sans mettre de clignoteur, sans vérifier s'il ne risque pas d'écraser des individus, mais tranquillement, et il faut surtout pas en plus la faire la réflexion, hein, parce qu'en plus, il me faisait des yeux et observait ça. Hein, magnifique aussi, hein. Et un autocollant qui est censé mettre en sécurité des cyclistes. Oui, bien sûr. Allez, bonne route tout le monde.